dans le troisième épisode de Vlogmas 2023. Je vous prends alors que je suis en train de mettre en ligne, si ça va bien, l'épisode précédent. Pas entendu. Allez, hop, voilà, c'est mieux. L'épisode précédent. Ce matin, donc on est dimanche le 10. Ce matin, on est allé un peu en catastrophe acheter des cachettes slash des lits pour le petit chat. Et du coup, j'ai un peu fait un montage expéditif et mis un petit couac à la fin de la vidéo où la musique est décalée. On ne voudrait pas. C'était totalement voulu. C'est un choix artistique. Voilà. Comme ça. Et j'ai aussi complètement oublié de vous parler de la fin du livre que j'étais en train de lire, donc L'école des bonnes mères de Jessamine Chan, que j'ai terminé. Ouais, je reste un poil sur ma fin, c'est que j'ai quand même beaucoup aimé, mais ouais, il manque un petit impact pour moi. Et ouais, j'ai. En fait, ça a mis en place certains thèmes, certaines idées, sans aller complètement au bout. Mais dans l'ensemble, les thèmes en question ont été pour moi plutôt bien traités. Mais il manquait un petit effet. Ouais, un petit impact supplémentaire à la fin. Je suis en train de mettre les boutons pression sur mon. Gilet Pride and Pearls, qui est donc un modèle que j'ai testé pour Kutovakika. Pourquoi ça gondole? Est-ce que ça gondole parce que c'est pas fini ou est-ce que ça va gondoler tout le temps? Ouais. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être que je vais repasser à la vapeur après. Enfin, pas repasser. Mais fais un petit coup de vapeur sans toucher après pour bien la plaquer. De toute façon, je pense pas le porter avec les boutons du haut ouverts. Donc, ce que je trouvais très intelligent, c'est que donc on coud des boutons pression et en fait, moi, mon problème avec les boutons pression, c'est que ben, on voit toujours sur l'envers la couture, à moins qu'il y ait une manière de coudre et que je ne sache pas. Mais voilà, en fait, si je couds le bouton pression là, enfin, du côté qui va être par-dessus, voilà, ben, on voit la couture. Le bouton est dessous, mais on voit la couture au travers. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le bouton qui est là. Si j'avais pas une double couche, on verrait ma couture de l'autre côté. Non? mais là, comme il y a une double, comme tout est double, le col est double, et la pâte de boutonnage est en jersey double, en fait, on peut faire la couture dans l'espace entre le tube. Alors, c'est un petit peu pénible à faire, mais du coup, la couture ne ressort pas sur l'endroit, alors que le bouton est juste en dessous. Vous voyez? Maintenant, à chaque fois que j'entends un bruit, je sais pas si c'est les voisins, le chat, Marius. Là, en l'occurrence, je pense que c'est les voisins. Et parce que le chat est tétanisé. Non, ça va. En fait, il a vraiment besoin soit de se cacher, soit d'être collé à nous. Et quand on fait du bruit, alors ce midi, quand j'ai cuisiné, que j'ai allumé la hotte, il était un peu... Oula. Il miaule beaucoup en fait quand il a peur. Donc au moins on le sait. Il s'exprime, ce qui est bien. Et il vient vers nous pour être rassuré. Donc ça c'est plutôt positif, je pense. J'espère juste qu'il va se détendre. Voilà, donc il me reste deux boutons à coudre. Je n'ai même pas essayé. Hein. Je l'ai pas essayé. En train de coudre les boutons, je ne l'ai même pas essayé. 15 000 fils à rentrer. Mais voilà, pour ce petit début de Vlogmas,
J'espère pouvoir un peu quand même venir vous voir de temps en temps, même si c'est un peu le chaos avec le pauvre petit chat. On croise tous fort les doigts pour qu'il boive. Je sais, il veut pas boire. C'est pas... Ah, il a mangé un chouïa, mais je l'ai pas vu boire. Mon pull Kalmia, qui est un de mes modèles en intarsia avec des manches, avec des petits points en jacquard, et ce panneau de torsade que j'avais tricoté en pernilla de fil Colana, que j'aime beaucoup. Ce pull, du coup, est étonnamment chaud, vu que, surtout au niveau des manches, vu qu'il y a le jacquard. Et il est très doudou. J'ai deux tâches qui courent un peu ce week-end. La première, c'est l'appel au test pour le pull Ouraka à col boutonné. Donc j'ai lancé l'appel au test vendredi matin. Et je vais faire un appel complémentaire sur Instagram, si j'ai le temps aujourd'hui, sinon demain. Parce que j'ai pas beaucoup de monde. Et sur certaines tailles, j'ai soit qu'une personne, soit personne. Et donc j'espère pouvoir trouver quelques personnes supplémentaires pour ce test. La deuxième chose, c'est je suis en train de discuter avec une taf éditrice pour un magazine, une éditrice technique pour un magazine pour un patron qui sera publié à l'été prochain. Je voulais vous en parler parce que c'est amusant. En fait, notre problème, c'est le système impérial. Parfois, 0,5 cm de différence, donc c'est pas anodin, mais 0,5 cm de différence parfois donne le même chiffre en pouces, parce que en pouces, la convention veut qu'on arrondisse au quart de pouce. Sauf que bah, du coup, on a deux mesures différentes écartées de 0,5 cm en système métrique, et on se retrouve quand on convertit avec la même mesure en pouces. Donc là, j'étais un peu surprise parce que la personne est finlandaise, le magazine est finlandais, suspense, on se doute pas du tout de qui c'est. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu m'embêtes? C'est pas ma faute, hein. Moi, j'utilise pas ces bêtises-là. Ouais, je sais pas comment on peut faire. En fait, il faudrait qu'une taille soit mal gradée pour tomber sur des chiffres en pouces différents. C'était terrible, hein? Donc je sais pas, j'ai dit écoute, moi je sais pas, j'ai pas forcément envie de faire ça. Si, peut-être qu'elle a une. Enfin, je pense qu'elle a déjà dû tomber sur ce cas de figure, donc je verrai la solution qu'elle trouve pour gérer ça. Mais voilà, c'est mon petit encart du week-end, dont je vois un mail du coup, s'appelle Ellie. Je dis, ah super, j'ai trouvé un autre problème avec les pouces. Non, c'est toujours marrant de recevoir des mails d'éditeurs techniques, parce que c'est vraiment la réaction. À... Quoi? Qu'est-ce qu'on me veut? Est-ce que ça va me prendre 2 secondes de répondre à la question, ou est-ce qu'il faut que je regarde tout un truc comme ça là rapidement? Voilà, c'est toujours la petite surprise, c'est le Kinder surprise des emails, les mails d'éditeurs techniques. Voilà, j'ai presque fini mes boutons pression, il m'en reste un et demi. Thank you.
déjeune. On est lundi matin. Je petit déjeune en lançant le test, en envoyant le patron au testeur pour le pull Ouraka. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai pu prendre tout le monde, ce qui fait plaisir. Et il me manque pas mal de personnes. Ouais, c'est pas forcément indicateur de la réception du patron une fois qu'il sera publié. Disons que c'est pas bon signe. Mais c'est pas grave parce que du coup, parce que les personnes qui ont postulé avaient l'air plutôt enthousiastes. Donc, tant mieux. J'espère que ça va bien se passer. C'est un modèle assez simple. Je pense que le choix de laine sera peut-être le plus compliqué sur ce test. Je suis en train de préparer la page Ravelry du coup pour pouvoir donner aux testeurs un code à rentrer sur leur page projet s'ils font une page projet Ravelry, s'ils utilisent Ravelry. Et du coup j'ai mis les photos, je ne sais pas quelle photo utiliser. Maintenant qu'il y a un chat tout bruit et hier il a fait tout. Il a peur de la cuisine. Il a tous les bruits, le micro-ondes. Son ennemi juré, c'est la hotte de la plaque. Il déteste. Du coup, il a peur de la cuisine. Et il explore la cuisine la nuit. Donc, ce qui est bien. Mais du coup, hier à 23h, à patatras, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ma faute. J'ai laissé des marrons chauds et il a fait tout tomber. Mais il ne les a pas mangés, il a juste fait tomber. Il mange pas trop les trucs. Enfin, il vient pas. Même quand on est en train de manger, il vient pas essayer de nous chipper des trucs. Il a bu, il a mangé, il va bien. Il faut juste qu'il explore un peu. Il n'est pas monté à l'étage, mais je veux qu'il monte tout seul. Je ne vais pas le forcer. Bref, j'étais pas en train de parler du chat. Bref, donc là, il y avait un bruit. Je me demande si c'est pas lui qui avait tombé quelque chose. Donc je fais la page Ravelry. Je ne sais pas quelle photo mettre. Parce que j'ai une photo que j'aime beaucoup, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle ne montre pas forcément bien le détail des torsades. En même temps, c'est très discret, donc... C'est pas grave. Parce qu'il faut choisir une photo qui sera la photo principale que les gens verront tout de suite sur Ravelry. Et généralement, je choisis très très mal. Je sais, parce que quand des gens qui sont parfaitement adorables partagent mes sorties de patron, ils prennent jamais ma photo principale. Donc je sais que je choisis assez mal. Voilà, donc j'ai récupéré le code test. J'ai complété l'appel sur Instagram hier, donc j'ai quelques messages. Et donc j'essaie de voir si je peux trouver quelques testeurs supplémentaires. Je veux absolument pas manger en vous parlant. Bon, c'est super, j'ai fait un mauvais copier-coller. Et j'ai envoyé des notifications Ravelry à plein de monde qui n'étaient pas concernés. Super. Donc, je vais envoyer le patron. Ensuite, il faut que j'appelle le dentiste pour Marius, pour voir s'il peut y retourner. Deuxième fournée. Décidément, hein. Chaque fois que je vlog, il y a des histoires de dentiste. C'est pas grave, hein. Il a pas mal ni rien, mais c'est juste un peu pénible. Un soin qui ne tient pas. Donc j'espère qu'on pourra faire un truc plus permanent, parce que ça l'agace. c'est moi qui appelle parce qu'il parle pas encore très bien français, hein. Je le dis, hein, c'est pas... Voilà, c'est tout. Et après, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Éventuellement, je dois prendre quelques photos, mais j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui. Donc, soit je prends des photos sans ma tête, soit je fais les photos demain, mais je préférerais les faire aujourd'hui. Je vais voir, parce que là, il fait pas très beau. Si il fait plus beau demain, je les prendrai demain. Et je vais préparer un nouveau design. Deux chaussettes dont je vous ai brièvement parlé, je crois, à la fin du dernier Vlogmas. Je ne sais plus. Je pense plus. Je suis embrouillée.
Bref, je vais commencer un nouveau design. J'ai une petite collection de chaussettes prévues pour l'année prochaine. Et tout fait tomber. Et je vais utiliser ces couleurs. Et je commence par ce orange. Donc ça, c'est de la Lana Grossa. Mélène White, c'est ça, donc c'est... Alors, Mélène White, Mélène White. C'est leur gamme de laine à chaussettes. Ils ont plein de variations. Et la Seta, c'est celle qui a de la soie. Donc, c'est 55%... Il y a beaucoup de soie. 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Ça, c'est le coloris 18, qui est, ouais, un orange saumon. Je sais pas si ça existe, mais c'est l'impression que ça me donne. Et j'ai prévu un modèle de chaussettes texturées. Faut que je vois si... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais que j'ai... Alors, je vais finir mon truc sur Ravelry parce que sinon, ça va le faire. Je sais que j'ai fait une grille d'un motif texturé avec... En fait, c'est un jeu de maille en droit, maille en vert qui fait des ondulations. C'est des côtes décalées mais je ne sais pas si je l'ai fait pour plusieurs tailles ou s'il faut que je le fasse maintenant. Parce qu'en fait, souvent, quand j'ai des fois, j'ai des idées de points et de modèles et je vais tout de suite préparer des grilles, etc. Et me noter que ce serait un design pourtant. Et quand j'arrive au moment où faire ce design, parfois je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Donc, on va voir si la Audrey du passé a été gentille et a fait le. A fait plus de boulot que nécessaire, ou si c'est la Audrey du présent qui doit s'en occuper. Ok, donc je finis mon petit déjeuner. C'est du porridge. Avec des raisins, des noix, du beurre d'amande, etc. On s'en fichait complètement. je pense que je vous prends si je fais des photos. J'ai fini mon. J'ai fait toutes les finitions, je vais prendre des photos aussi. Tadam! Alors, ça m'embête un petit peu, mais je vous en parle plus tard, je sais pourquoi, mais ça va aller. C'est pas si dérangeant. La Audrey du passé était plutôt lucide et elle a fait toutes les grilles. Par contre, je voudrais. Alors. C'est un peu un motif de côte, enfin c'est particulier. Et je voudrais que les côtes du haut de la chaussette se fondent dedans. Donc je fais en fait une ligne de grille juste pour les côtes qui va bien s'agencer ensuite dans le. Et tu me juges! Vous voyez que je me suis embêtée à lui mettre un truc là, mais il s'en fout, il veut être sur le radiateur, évidemment. J'ai commandé des arbres à chat. Plein. Surtout besoin d'un griffoir qui devrait être livré aujourd'hui. Il faudra qu'on aille le chercher. Oui. Tu veux que je mette les trucs devant le radiateur? C'est pas très pratique. Bref, donc je suis en train de faire ça pour les côtés. J'ai très envie de commencer à tricoter, mais j'ai dit qu'aujourd'hui j'avançais le plus possible mon petit châle à un écheveau. Pour pouvoir faire une photo au moins à moitié. J'ai tricoté tout ça. Faut que j'ai le temps de passer un coup de vapeur, prendre une jolie photo à moitié pour donner un peu une idée de la taille que ça aura avec 400 grammes de fil. Et
Ouais. Et il faudra que je photographie le petit verre. Je vais le faire aujourd'hui parce qu'il fait plutôt beau là, donc tant pis, ce sera des photos sans ma sale tête. Et tu veux pas le porter, Mota? Contre-fiche. je suis contente qu'il soit calmé parce que. En fait, il miaule beaucoup. Mais même quand on est à côté de lui, en fait, même quand on est à côté de lui, en fait, si on n'est pas. S'il n'est pas sur nous, il miaule. Et il veut explorer la maison, mais il veut pas le faire tout seul. Donc, en fait, il faut qu'on fasse les petits guides touristiques. Hein? Ouais, on a quand même beaucoup de chance qu'il soit aussi câlin en fait, parce que comme ça on peut le rassurer. Parce qu'un chat qui est trop craintif et qui a peur de ses nouveaux amis, bah c'est trop compliqué en fait, parce qu'on ne peut pas le rassurer. Moi, ça c'est quelque chose, j'ai eu plusieurs chats avant, et c'est un peu difficile quand tu vois que le chat il est tétanisé et t'es là, bah, je peux rien faire puisque tu me laisses pas te rassurer. Alors lui, pas du tout, hein. Lui c'est vraiment occupe-toi de moi. Donc tant mieux. Si j'essaie de mettre les trucs sur le radiateur, veux-tu bien te mettre sur ton coussin? Je vais essayer. J'ai mis les caisses et le coussin devant le radiateur. Donc effectivement, il a l'air de vouloir s'y mettre, mais du coup, il regarde plus par la fenêtre. Oui. Il a pas l'air très intéressé par la laine. C'est que tu userais le bazar. Hein. Tu veux pas être filmé? Alors, c'est mon vlog, d'accord? Donc, je pense que ça va être à peu près tout pour la préparation des instructions de cette chaussette. Et je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des photos après. Donc, je vous parlerai de mon gilet Pride and Purse. Mais si je vais prendre des photos, il va me suivre. On va voir. Et rester dormir tout seul dans mon bureau, c'est l'avantage de prendre un chat adulte, c'est que il s'habitue plutôt vite. Alors j'ai pris quelques photos, j'ai choisi le pire jean, ça va pas du tout, c'est pas grave, on peut galérer à prendre des photos. Alors je suis plutôt contente. Après il y a deux petits trucs qui sont pas exactement comme j'imaginais. Alors il y a moins d'aisance. Non, c'est pas vrai. Il fait les mesures attendues. Je pense juste que j'aurais peut-être dû tricoter une taille au-dessus pour mon style, pour avoir quelque chose de large comme je voulais. Par contre, comme j'ai tricoté dans ce fil qui est composé de quand même pas mal d'alpaga, ça va se détendre et s'assouplir au fil du temps. Donc en fait, c'est pas mal. L'autre truc, c'est au niveau des boutons. En fait, j'ai pris des boutons pression qui font 15 mm. Je pense que dans le patron, elle dit 13 mm, mais j'ai pas trouvé 13. Je pense que c'est ça. Il me semble avoir bien lu ça. Mais même 13, je pense qu'en fait, ça aurait été trop grand parce que c'est ça.
C'est un fil qu'il faut que je retire de l'autre côté. En fait, ce qui se passe, c'est que comme la pâte de boutonnage est très fine, vous voyez, eh bien, les boutons occupent tout l'espace de la pâte de boutonnage et du coup, ils sont trop près du bord. Souvent, quand les pattes de boutonnage, elles tirent un peu comme ça, il y a plein de facteurs, mais un truc que je vois très souvent, c'est parce que les boutons sont très très près de l'extrémité. Les boutons, pour moi, mon expérience, c'est que c'est maximum à la moitié de la pâte de boutonnage en fait. Et en fait, plus c'est près de la base, donc de l'intérieur du gilet, mieux c'est, mais c'est pas forcément très joli d'avoir les boutons d'un côté et la grosse bande de côte vide. Donc généralement, on met au milieu. Mais je vois pas mal de fois où les boutons sont mis et les boutonnières sont mises trop près du bord et donc là ça fait l'effet qui tire et c'est un peu ce qui se passe ici parce que comme les boutons en fait ben, ils font à peu près la taille de la largeur de la pâte de boutonnage, ben, ils sont fatalement près du bord. Donc à refaire, je prendrai des boutons pression beaucoup plus petits, même 10 mm. Camion poubelle. Même 10 mm. Oh non, ça va lui faire peur. Même 10 mm pour qu'il soit vraiment plus à l'intérieur et plus vers la base. Parce que vous voyez, en fait, il y a une portion de jersey ici, mais la pâte de boutonnage, en vrai, elle ne commence que là. Donc il n'y a que ça. Et donc il faudrait que ce soit le plus près de la base possible. Donc ouais, 10, 11 mm les boutons pression, je pense. Mais c'est pas au point de m'embêter. C'est-à-dire que je le remarque, mais ça va pas m'empêcher de le porter. Donc je vais pas le refaire. Tout simplement. Voilà. Je suis plutôt contente. Alors, le dos est pénible à photographier. Alors, c'est toujours un peu le cas, mais là, en fait, comme il y a cet effet blouson, en fait, ça. Et quand on essaie de prendre des photos de dos, pas me tenir naturellement, si je me tiens naturellement, ça fait pas très joli. Donc, faut un peu, voilà, poser. Et ça crée des plis disgracieux, donc c'était hyper pénible. Mais je croise les doigts pour avoir des photos potables. Il est quand même super confortable à porter. Ouais. Plutôt contente de ce projet. Je sais pas pourquoi on me franche ça. Enfin, ça fait ça chaque fois que je me lave les cheveux. Pendant 2-3 jours, ça reste comme ça. Donc, je pense que la solution, c'est qu'il faut que j'arrête de me laver les cheveux, tout simplement. J'ai jamais eu de chat bavard, moi. Je me faisais la réflexion. Mes chats ne miaulaient jamais, à tel point que... donc, les chats qui sont chez mes parents, qui sont les chats de mes parents, un des deux ne sait même pas miauler. C'est-à-dire que quand il essaye, c'est ridicule. Donc, voilà. En fait, voilà. Quand il est tout seul, il fait ça. Sauf que c'est pas nous qui le laissons tout seul, il s'en va et il fait ça. Comme si c'était perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, t'es où? Et qu'est-ce qu'il y a? Oui? Une explication? Qu'est-ce que t'as fait? Oh. En fait, il s'en va, il explore et il miaule. Jusqu'à ce qu'on vienne le rejoindre. Un peu autre chose à faire, hein, monsieur. Hein? Oui. Eh ben. Tu veux manger un peu? Tu veux pas plus manger que des miettes?
du mardi. Et mes cheveux se salissent, c'est de mieux en mieux. Alors j'ai finalisé le patron du petit châle écharpe qui sortira jeudi, donc un modèle gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupée du test du pull col bouton. Il y avait quelques coquilles dans la VF, version française. Il me manque toujours des testeurs pour les plus grandes tailles et pour la plus petite. Je vous le dis, si jamais le pull vous plaît et que vous peut-être voulez participer au test. Donc il me faut encore des testeurs pour la taille 1, donc la taille 85 cm, ça c'est le pull. Et l'aisance recommandée est de 5 à 15 cm en plus par rapport à votre tour de bus. Donc c'est pour couvrir des tours de bus de 70 à 80 cm. Et ensuite, il me manque des tailles 145 à 175 cm, donc pour des tours de bus de 130 à 170. Voilà. Si c'est vous et que le projet vous intéressait, la fin du test est le 14 février pour tricoter le corps et une manche. En vrai, passer les emmanchures, ça suffit et faire une manche. Voilà. Donc, de toute façon, je suis pas stricte sur mes délais parce que la vie et c'est normal qu'il arrive des choses ou tout simplement qu'on n'arrive pas à finir parce qu'on a mal calculé, etc. Voilà, donc je cherche, j'ai cherché sur Instagram mais j'ai eu quelques personnes en plus pour les tailles moyennes. Donc c'est bon. Voilà, donc je vais peut-être relancer pour essayer de trouver au moins une personne dans les grandes tailles. Ça fait longtemps que j'avais vraiment zéro sur les grandes tailles. Généralement il y a une personne par là, alors ça couvre pas toutes les tailles, mais au moins il y a une personne à peu près dans ces eaux-là. Mais là non. C'est les fêtes, c'est plus compliqué aussi. Je porte mon pull ombrella parce que j'y repensais, puisque du coup en parlant du pull à col bouton qui est des manches montées, quelqu'un m'a dit qu'en postulant au test qu'elle était contente de me voir faire des manches montées. Oui, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai deux modèles de manches montées, en fait c'est un duo, celui-ci est une version sans manches avec d'autres torsades mais qui sont interchangeables, donc vous pouvez utiliser les torsades de l'un sur l'autre, et ça donc c'est le pull ombrella, qui est un pull tout en torsade à manches montées avec des petites épaulettes au point mousse et qui se tricote en déca. Mais du coup oui, Uraka est mon premier modèle de manches montées simple. Voilà, en jersey. Je vais prendre en photo puisque j'ai atteint la moitié du châle. Je vais essayer de faire une jolie photo pour montrer un peu ce que donne la moitié du triangle, donc ce sera la même chose de l'autre côté. Ça m'a permis d'avoir toutes les mesures du châle qu'on peut obtenir avec le bon échantillon en utilisant 100 grammes. Et voilà, donc je vais aller prendre des photos. Je ne sais pas où est Mota. Voilà. Donc j'essaie de me dire que si je ne le vois pas, c'est qu'il dort et non pas qu'il est mort. Mais ni boude parce que j'ai un peu grondé tout à l'heure. Mais je me dis, s'il commence à faire des bêtises. Ah, tu es là, mais tu es adorable. Regardez. Je l'ai un peu grondé tout à l'heure parce que monsieur fait des bêtises dans l'évier. Mais en fait, je suis plutôt contente que tu fasses des bêtises. Achou ? Parce que si tu fais des bêtises, c'est que tu es plus à l'aise, n'est-ce pas ? On nous a dit qu'il a un peu tendance à avoir du coryza, hein, donc si vous remarquez qu'il éternue et tout, c'est ça. On nous a dit qu'il était pas mal sujet à ça. Donc ça a l'air d'aller pour l'instant, il éternue pas trop. Oui. J'ai
fini de lire ce matin L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. Je sais pas où on est. Oui. Oui. Tout à fait. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça m'a un peu rappelé Malocène, que j'adore absolument. Que j'adore. Pas tout à fait le même ton. Pas tout à fait le même ton, mais plus dans la façon dont les personnages parlent et pensent. Cet un peu écoulement dans tous les sens. Ces apartés constants, etc. Ces divagations. Ça m'a fait un peu se penser à ça. Alors, j'ai un peu moins aimé le ton parce que il y a un petit côté quand même provocateur avec cette figure de commissaire Adamsberg, flic torturé, etc. Ouais. Mais c'était pas trop. Voilà, donc ça m'a pas gêné à la lecture. Mais ça, disons que c'est pas forcément été un point positif pour moi. Mais j'ai bien aimé. En fait, il y a des. Je peux pas vous laisser tenir des propos comme ça, monsieur. Enfin, non. Ah ben non. On peut pas dire des choses pareilles. Ah non. Alors. Un peu le même, parfois, humour un peu absurde que dans Manusen. Par exemple, à un moment, il y a un personnage qui. On dit qu'elle a préparé, qu'elle cuisine et qu'elle a préparé un plat bien de chez elle. Et on lui dit, mais elle vient d'où, Neuilly? Ça me fait rire. Voilà, ça c'est mon humour, vous voyez. Mais il n'y en a pas trop. Et au final, c'est un assez bon équilibre. L'enquête, j'ai trouvé un peu, il se passe rien. Et à la fin, tout est précipité. Et j'ai pas forcément senti. Qu'on nous semait des indices, j'ai eu un peu plutôt l'impression que on est un peu dans la peau de l'autre inspecteur, j'ai oublié son nom, quelque chose comme ça, je sais pas, de l'autre inspecteur qui travaille donc pour le commissaire Adamsberg, qui est un peu perplexe au vu de ses méthodes et de sa déduction. Je vais te construire des étagères, ça arrive bientôt. Oui, c'est pas ma faute. Ouais, j'ai un peu l'impression que vraiment il n'y avait pas qu'autant la résolution est satisfaisante et bien menée, autant j'ai pas vu les choses se mettre en place et avoir le déclic à la fin. J'ai plutôt l'impression que j'attendais que Adamsberg dise ce qu'il avait compris, sans forcément qu'on nous essaye de nous le faire comprendre. Après, c'est peut-être moi qui suis bête aussi, hein, et qui n'ai pas vu les signes, c'est fort probable. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas vu les signes ici. Mais j'ai bien aimé, donc je pense que j'en lirai certainement d'autres. Ah voilà, t'as compris. Non mais parce que j'ai mis une petite table, j'ai tout enlevé. Qu'il puisse se mettre à la fenêtre et regarder les moutons, mais il y allait jamais. Pas convaincu par ce poste d'observation. Ce sera pas mieux là-haut, hein, tu sais. Ouais, j'ai bien aimé. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire ensuite. Oui. La semaine prochaine, enfin c'est ma dernière semaine de travail. Déjà nettoie-toi parce que hein. C'est ma dernière semaine de travail sur mes patrons, mes prototypes. Donc à partir de, enfin les deux dernières semaines de décembre, je prendrai un peu plus de pause, je tricoterai que sur mes projets perso de temps en temps, et donc je lirai certainement, je continuerai certainement la grosse série de fantasy que je lis depuis quelques mois. Mais en attendant, là, il me faudrait un petit truc sympa. Je verrai.
ce sur quoi je tombe. J'ai reçu le dernier Laine Magazine. J'ai complètement craqué sur un modèle. Tous me plaisent beaucoup. Numéro d'avant aussi, je l'aimais bien. Mais celui-ci, alors déjà, il y a un pull en jacquard de Maxime Cyr, le Nightfall. Qui est somme toute un pull avec des motifs géométriques simples. Mais je trouve que l'équilibre entre les motifs pleins et les motifs en pointillés, ici avec ceux qui s'enchassent, les motifs verticaux, les motifs qui font plus bloc, je trouve que ça, c'est très équilibré. Et la palette de couleurs est très très belle aussi. Ça rend vraiment bien. Et le modèle sur lequel j'ai complètement craqué et que je vais me tricoter parce que j'ai la bonne quantité en stash, c'est le gilet Betula de Jacqueline Van Dillen, qui est un gros gilet avec un col et un mélange de texture et de dentelle assez simple, mais qui fait son petit effet. Il est tricoté en Peergunt et j'ai dans un coloris brique rose. Ouais, j'ai un gros coup de cœur sur ce modèle qui est pile le genre de truc que j'adore porter en hiver. Il y a aussi un pull plus simple, le Double Bubble de Vera Valimaki, qui est un pull avec un col V comme ça qui se croise. Alors faut coudre, hein. Celui de dessous il est cousu en fait là. Alors je trouve que là sur cette version, le col a l'air un peu lâche, mais en fait c'est relevé et tricoté comme ça perpendiculairement, donc il y a moyen de resserrer un peu plus. Mais j'aime bien, c'est simple, hein, c'est du jersey, des manches montées, mais il y a un petit détail de côte fondue. Bon, je le trouve assez sympa. Il est tricoté en fingering et mohair. Et je trouve ce pull intéressant, même si c'est pas du tout le genre de col que j'aime porter, mais Softy de Paulina Lesty. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les cols comme ça, un peu batelier, un peu... Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Non, c'est pas ça, batelier. Batelier, c'est plus ouvert. Bref. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais... je sais que ça peut être très très confortable. Pour moi, ça fait un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a de l'aisance, il est long, les manches sont flottantes, et il y a ce gros col flottant. Ça fait tout flottant. les rayures fines, c'est une bonne idée, c'est sympa. Il y a d'autres modèles ici qui sont chouettes aussi. J'aime bien les petites chaussettes. Les chaussettes Houndstooth de Yuki Onodera. Marrant. C'est du jersey ou c'est du point mousse? C'est des mailles glissées, on dirait, mais avec le petit côté texturé, c'est sympa. Il n'y a qu'une photo des chaussettes. Pas sympa. Il y en a peut-être ailleurs que je n'ai pas vu. Mais voilà, j'aime bien ce numéro et je me tricoterai certainement le gilet. J'ai trop de trucs à me tricoter. Je n'y arriverai jamais. Chez mes parents pour garder la miss. T'as dit bonjour? Bonjour. Bonjour. Respire. Parce que son frère, le gros,
On va se faire opérer, c'est bénin, hein, mais il a une boule dans l'oreille qu'il faut enlever. Donc on va l'appeler Van Gogh. Et la demoiselle, quand elle est toute seule sans lui, c'est la panique. Et donc, je suis venue pour la rassurer un petit peu pendant les quelques heures où mes parents sont pas là ce matin. Et ouais, je voulais vous faire un petit mot, je vous ai laissé plein de très gentils commentaires par rapport à Mota, à l'adoption, en fait, d'avoir adopté un vieux chat. En fait, c'était pas si altruiste que ça, hein. Il est vraiment très câlin. Tu te calmes? Tu sens le chat, c'est pour ça? C'est l'habitude des chats. Il est vraiment très câlin et très social, donc il est venu vers nous, etc. Donc c'était pas forcément un chat difficile à adopter. Enfin, je sais pas, peut-être que je me rends pas compte à quel point les gens veulent pas de chats adultes, mais c'est fatigant les chatons, hein, en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est fatigant les chatons, donc moi ça m'arrange bien. Oui, peut-être le fait qu'ils soient sujets à des forts coryza aussi, ça gênait, mais bon, moi j'ai l'habitude. Mais en fait, ouais, il était très très social et c'est vrai que il y avait beaucoup de chats qui étaient un petit peu plus craintifs et on a l'intention d'en adopter un autre, ne serait-ce que pour lui donner de la compagnie, parce que j'ai l'impression que quand il miaule comme ça partout, il cherche. Il a quand même l'habitude d'être avec beaucoup d'autres chats, donc je pense que ça lui ferait du bien. Mais je voulais d'abord, voilà, qu'on l'intègre chez nous et qu'il soit à peu près à l'aise avant d'éventuellement prendre plus de chats, au moins un deuxième. On verra comment ça se passe. Mais oui, je voulais dire aussi par rapport à ça que j'ai été assez... elle ne sait pas pleurer, en fait. Elle ne sait pas pleurer, elle ne sait pas aboyer et du coup, elle fait des bruits bizarres. Oui, on va faire un câlin après, t'inquiète pas. J'étais agréablement surprise du fait qu'il y avait beaucoup de chiens qui étaient déjà adoptés et qui allaient partir en fait. À chaque fois qu'on en voyait un, les bénévoles nous disaient « alors celui-là, il est réservé ». Voilà, et il y avait quand même beaucoup qui étaient en passe d'être adoptés. Donc ça faisait un peu plaisir quand même, c'était pas si catastrophique que ça. Y compris des chats qui étaient adultes, des chats qui avaient le sida du chat. Voilà, il y a quand même pas mal d'adoptions qui se font, pas assez pour couvrir la quantité de chats et de chiens qu'il y avait là-bas, mais j'étais quand même agréablement surprise de voir que il y avait des gens qui venaient les prendre aussi. Donc aujourd'hui, la miss, on va regarder des vlogs, mais si tu veux. Et je vais passer la matinée ici. Je tricote hyper lentement ces derniers jours, donc je n'avance pas aussi vite que ce que je voulais sur mon petit modèle de chaussettes. Et je pense que je finirai pas les deux cette semaine, enfin la paire. C'est pas grave, je reprendrai en janvier. Mais je vais profiter de pas avoir à gérer Mota pour avancer un petit peu. Alors, je voulais vous montrer. J'ai pas de nouvelles de Van Gogh, j'attends qu'il se réveille. Mais du coup, je suis rentrée chez moi et je voulais vous montrer l'avancée de mes chaussettes. Je suis fan. Ce n'est pas des torsades, hein, ce sont que des mailles en droit, des mailles en vert. En fait, c'est le fait d'alterner ces zones de côte et de point mousse qui fait onduler comme ça. En fait, j'ai une idée de modèle de pull avec ce point. Je veux faire un pull précisément en Ulysse printemps, qui est un vert pétant. Mais ce ne sera pas avant des années. Souvent, je fais ça. Quand j'ai des idées de modèle avec un point qui me plaît à fond, mais que je sais que le vêtement, si c'est un modèle de vêtement, ce ne sera pas avant longtemps. Bah, j'utilise le point sur un petit accessoire pour avoir la satisfaction de jouer avec la texture plus rapidement. C'est vraiment très très sympa, c'est hyper intuitif en plus parce qu'il suffit de compter les lignes de point mousse ici pour savoir quand
changer le truc. Voilà. Et j'ai fait des grilles différentes pour chaque taille. Alors à chaque fois, ça me fait des patrons de chaussettes assez longs, avec quasiment 20 pages, mais c'est parce qu'en fait, il y a une grille par taille. Et c'est mieux parce que là, c'est quand même un assez grand motif et je peux pas juste ajouter des mailles en plus à un endroit sans casser le motif. Et c'est dommage. Alors qu'il suffit que je repense un petit peu le motif différemment et ça fonctionne bien sur différentes tailles. Faut pouvoir avoir des chaussettes ajustées. Ce qui est sympa, c'est que comme c'est des côtes, c'est assez élastique aussi, donc ce sera assez facile à offrir si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la taille de la personne. Parce que ça va être généralement les chaussettes en côte, c'est plus facile parce que y a un petit peu plus de marge avec la taille. Mais bref, très très contente. Alors au niveau du fil, du coup, c'est la Seta de Lana Grossa, donc c'est celle qui a de la soie. Honnêtement, pas la soie. En fait, c'est de la laine vierge, c'est pas du mérino. Et j'ai l'impression que mélanger de la laine et de la soie, ça revient à peu près au même que d'avoir du mérino. Parce que vraiment, au toucher, à l'aspect, elle est quasiment identique à la Arweta, par exemple. Alors que des fils comme la Regia Silk ou la Jowl Silk, qui sont des mélanges mérino-soie, sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples, beaucoup plus doux. Là, il y a un petit halo quand même. Mais honnêtement, oui, il n'y a pas. Montrer ça, je ne devine pas forcément qu'il y a de la soie. Oui. Mais elle n'est pas forcément plus chère parce qu'il y a de la soie. Enfin, elle est à 9,95, 90, les 100 grammes. Donc, pour de la laine à chaussettes, c'est assez classique. Voilà, elle n'est pas beaucoup plus chère à cause de la soie. Mais voilà, je pense que c'est l'équilibre laine vierge, soie égale mérino, en fait. De manière très grossière. Mais la définition est vraiment chouette. Et il y a une chouette gamme de couleurs. Et j'ai vraiment hâte de faire les autres modèles de chaussettes que j'ai prévues pour l'année prochaine. Parce que ça va être joli dans le petit panneau de couleurs que je pense que je vous les ai montrés dans le précédent Vlogmas. Je sais plus. Je sais plus ce que je fais. Mais bref, j'ai 5 couleurs bien néons. Et mon idée, c'est de faire des modèles avec des petits détails minutieux en termes de texture. Donc il y aura de la dentelle qui se fond dans les côtes, voilà ce genre de petits détails amusants. Et là, ces côtes ondulées. Il y a un modèle où j'ai envie d'essayer un truc pour faire des rayures sur le. De deux façons différentes. Je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ça va être bien parce que ça risque de poser problème au niveau de la taille de la cheville. Donc je sais pas si mon idée fonctionnera. Sinon, j'en ai d'autres. Mais ce modèle-ci me plaît beaucoup. J'aimerais bien les sortir début janvier. Donc en fait, il faudrait que je lance le test là. Mes modèles de chaussettes, j'ai quand même sorti beaucoup de patrons de chaussettes. Donc, ma recette est quand même rodée, donc je vais écrire le patron demain. Et ce sera pas trop long, parce que c'est que des chaussettes. Et voilà. Oui. Je lui ai fait le délire de l'inhalation, là, pour essayer de vapeur d'eau. Pour le petit Coriza. Même si il éternue pas beaucoup, mais bon, histoire de génial, je vais lui faire. Et il ouvre la grille de sa cage. Évidemment. Je pense que tous les chats que j'ai eus jusqu'à présent étaient juste bêtes. Mais lui, non. Donc il faut que je m'habitue à avoir un chat intelligent. Donc il faut qu'on achète un sac de transport plutôt qu'une cage. Parce que tu vas pas ouvrir une fermeture éclair, quand même, j'ose espérer. N'est-ce pas? Mais bon, ça va, il a pas trop mal pris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai vu que Veronica Lindberg a sorti le gilet Pride and Pearls.
que je vous ai montré au début de ce Vlogmas que j'ai testé pour elle. Donc il est disponible maintenant. Le patron est très très sympa. N'ayez pas forcément peur des modèles de Verewing Kallingberg. Je sais qu'elle utilise pas mal de points intéressants. Celui-ci en particulier, il y a quelques techniques de finition qui sont assez uniques. Mais elle prend quand même bien par la main. C'est assez instinctif si vous avez déjà fait des gilets, que vous comprenez un petit peu la construction des pattes de boutonnage et tout ça. Et c'est très amusant à faire. Et elle fait des vidéos sur YouTube où elle montre les pas à pas de certains de ses modèles, pas tous. Mais il me semble, sauf erreur de ma part, qu'elle est en train d'en préparer un pour ce modèle aussi. Donc il y aura une vidéo qui aidera à visualiser les différentes étapes. Voilà, c'est des vidéos qui font presque 2 heures à chaque fois, où elle montre la fabrication d'un de ses modèles. J'en ai jamais regardé vraiment, donc je suppose qu'elle juste elle donne pas les chiffres, etc. Mais elle montre toutes les étapes de fabrication, donc ça peut beaucoup rassurer, et c'est pas mal. Et voilà. On dirait qu'elle m'a attendue parce que 2 semaines de retard sur la fin du test, et elle le sort maintenant quand j'ai fini, quand j'ai fait les photos. Tant mieux pour moi. Du coup, j'ai pas été trop décalée. C'est pas bon. C'est un truc chai, vous savez, on poudre et on rajoute de l'eau chaude pour faire comme un chai latte. Celui-ci, il n'est pas terrible. Faut juste que je me fasse mon propre mélange, en fait. J'ai tous les épices nécessaires en plus, donc je sais vraiment pas pourquoi je m'amuse à acheter des trucs alors que c'est pas terrible. Voilà. Donc je vais avancer ma chaussette. Je viens juste de relever les mailles autour du gousset. Ah, je me suis emmêlée. Et on verra jusqu'où j'avance. Jeudi avec une luminosité lamentable, mais je voulais déjà vous dire que le chien de mes parents Van Gogh va bien. Je vous mettrai une photo de son retour en voiture où il boude. Il fait vraiment comme un bébé, hein. À chaque fois qu'il a eu le pauvre des opérations et que mes parents le récupèrent, vraiment il boude, il refuse de regarder ma mère, c'est vraiment tu m'as trahi. Mais il va bien, il a même pas besoin de porter la cône de la honte. Enfin, le vétérinaire a écrit sauf s'il fait n'importe quoi. Ce à quoi j'ai envie de dire, c'est un bulldog. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais voilà, donc le chien va bien. Le chat râle.
Tu veux pas aller sur ton arbre qui a coûté un bras et qu'on a mis devant la fenêtre exprès pour que tu puisses regarder les moutons et les feuilles? Ça t'intéresse pas? Non? Ok. Tu veux peut-être accéder autrement. Regarde. Voilà. Bref, il n'y a aucune excuse. Bon. Je voulais vous montrer surtout le modèle Mara que je viens donc de publier. C'est un patron gratuit. C'est le petit cadeau que je vous fais cette année pour vous remercier de votre soutien tout au long de l'année. Et donc, c'est une petite écharpe châle que vous m'avez vu tricoter dans les Vlogmas, surtout le dernier. Et donc, c'est un projet complètement personnalisable en taille puisque vous utilisez la quantité de laine que vous avez. Donc on commence en bas avec un montage en I-cord et donc on a les bordures en I-cord qui se poursuivent des deux côtés et vous augmentez jusqu'à avoir utilisé la moitié de votre laine. La répétition est assez courte, ça vous permet d'ajuster pas mal, et une fois que vous avez utilisé la moitié de votre laine, et bien vous repartez dans le sens, vous diminuez pour finir le châle. Sur cette version-ci, moi j'ai utilisé environ 60 grammes, donc 240 mètres, mais vous voyez que j'ai quand même pas mal de marge, et que si vous aviez 50 grammes de fil fingering, ça vous permettrait d'avoir quand même une taille de petite écharpe suffisante. Vous pouvez la mettre comme ça, ou faire le nœud dessous, un peu comme un bandana ou un cow-boy. Ou un bavoir, bandana de cow-boy ou un bavoir. Voilà. Non. Tu as très exactement 5 grattoirs. Ah mais tu t'as jamais fait ça, tu le fais exprès parce que je suis en train de filmer, pour faire ton intéressant. C'est un point qui est assez simple, qui est présenté en diagramme et en instruction écrite. Vous avez des côtes 1-1, des lignes de points mousse et des jetés avec des doubles diminutions centrales, qui est peut-être le point le plus compliqué, mais il est décrit en détail et vous trouvez facilement des vidéos si vous avez besoin d'une représentation visuelle pour le faire, mais c'est vraiment simple. Et donc sur cette version, j'ai utilisé la Yarneline. Oui Mota, je suis là bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais que t'es allée dans ta litière, je vais la nettoyer. 2 secondes. J'ai utilisé, donc c'est sa base Merino Superwash classique, Coloris Madame Sauvage. Coloris Madame Sauvage, qui est vraiment... la luminosité n'est pas terrible, mais c'est bien... La bonne couleur, c'est un vert kaki un peu foncé. Et ça a une jolie définition. Mais c'est un fil qui, je pense, rendra bien aussi si vous utilisez... C'est un modèle qui rendra bien si vous utilisez... Je suis distraite. Hein. Si vous utilisez des fils à speckles ou des fils variés, parce que j'ai une version... que je suis encore en train de tricoter avec la Linen Quill de Pearl Soho, qui est donc un fil avec des petits bouts de lin de matière végétale, et donc ça ajoute un petit côté texturé qui fait un effet chiné, et je trouve qu'on perd pas forcément la texture non plus. Puis-je te poser? Regarde l'arbre à chat, c'est magnifique. Regarde, il y a les lapins, les moutons, tout ça, c'est super. C'est super sympa. Et toi là, regarde, tu poses tes petites fesses. C'est bien, non? Il faudra la faire de l'arbre. Reste là, bébé. Et donc, il a pas sauté tout de suite. On progresse. Donc là, je vais utiliser un écheveau entier, donc 100 grammes. Donc je voulais vous montrer ce que ça donnait. Je me suis arrêtée à la moitié du châle et je l'ai bloqué pour vous montrer éventuellement ce que ça va donner. Voilà, donc là j'ai tout ça et voilà, je suis à peu près à la moitié, voilà jusqu'où ça va, voilà la profondeur que ça va avoir.
Et je vais diminuer maintenant pour faire l'autre moitié du triangle en miroir. Et juste avec 400 mètres, du coup, à peu près la taille que ça va donner. Je vous le remontrerai quand je l'aurai fini, hein. Même si c'est pas dans les vlogmas, que ce sera plus tard. J'essaierai de ne pas oublier. Voilà, donc modèle assez accessible et qui est donc gratuit sur Ravelry, Payhip et Lovecrafts pour cette fin d'année. J'espère que ce petit modèle vous plaît. Il va donc rejoindre mes autres modèles gratuits. Vous avez un col en jacquard que j'ai sorti l'année dernière, le col Latte Art. Vous avez le pull Nestoria qui est un pull en déca simple, épaule tombante, qui se tricote de haut en bas avec juste un petit détail de côte particulière, avec un rythme particulier. Une écharpe avec de l'intarsia et de la broderie, l'écharpe Ovide. Un châle, le châle triptyque qui joue avec les mailles, enfin la densité. Donc on utilise en fait trois épaisseurs de fil différentes. Déca, fingering et dentelle. C'est le thermostat, tout va bien. En le tricotant au même échantillon. Et vous avez dans le patron quelques pages de texte très prétentieux pour vous expliquer. L'idée c'était d'essayer de montrer que une épaisseur de fil n'était pas forcément bloqué à un échantillon et qu'on pouvait jouer avec la densité pour obtenir des tricots différents. Vous avez des moufles avec du jacquard dont le nom m'échappe complètement. Je vous jure que c'est mon travail. Hein. Je sais pas du tout. Une grosse fleur en jacquard dessus. Vous avez un bonnet en jacquard aussi qui est inspiré des motifs de broderie traditionnelle roumaine. Donc souvent c'est des motifs en noir et rouge sur blanc, du point de croix. Vous avez aussi des petites chaussettes, c'est mon tout premier patron, ce sont des chaussettes avec des côtes fendues. Voilà. Et donc je crois que je n'ai rien oublié. Bref, des patrons gratuits qui sont disponibles sur mes boutiques. Et voilà pour celui de cette année, qui je l'espère vous fera un peu plaisir. C'est très rapide à tricoter si jamais vous êtes en panique, même si je publierai ce vlog normalement le 17, donc c'est vraiment la panique. Bon, quoique, j'ai tricoté en 3 jours, même pas. Même pas parce qu'en fait j'avais commencé l'autre avant, donc 2 jours. Voilà. Et vous pouvez la faire plus petite. Maintenant, est-ce que je vais réussir à quitter la pièce sans qu'il me suive? Parce qu'il est bien là. Ah, il joue avec sa queue, ça y est, c'est le drame. C'était un chien en fait. Voilà. J'ai pas adopté un chat, j'ai adopté un chien. Que voulez-vous, c'est comme ça. On m'avait pas prévenu. Mais il est vraiment chouette. Il est vraiment mignon. Ah oui, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé L'éveil de Kate Chopin. C'est ça son nom. Bref, c'est un classique de la littérature américaine de la fin du 19e. Et j'ai juste lu une quarantaine de pages. J'en avais entendu parler en comparaison avec Madame Bovary. Le sujet est le même. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un petit peu plus grinçant, la madame. Hein. parce que c'est vrai que Charles Bovary, le pauvre, son seul défaut, c'est d'être un peu ennuyeux. Mais là... Le portrait qui est fait de la condition des femmes mariées et du mari du personnage principal. Ouais, on sent que petit agacement de la part de l'autrice envers la gente masculine. y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Enfin, il y en a plusieurs. Hein, mais il y en a une phrase qui m'a beaucoup fait rire, c'est... voilà, on parle à un moment, le personnage principal dit que ses amis, vraiment, quand elles discutent de leur mari respectif, elles disent que son mari à lui, vraiment, c'est le meilleur mari du monde.
Et du coup, le personnage principal pense, ouais, je suis bien forcée d'admettre que je connais pas mieux. Donc le sous-entendu, c'est très drôle. Hein. C'est pas mieux, il n'y a pas mieux parce que c'est le meilleur, mais juste il n'y a pas mieux parce que la barre est très basse. Donc c'est drôle. C'est drôle. Et c'est un roman court, mais voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... cinglant. Enfin, c'est tout dans la subtilité. C'est une prose qui est dite très digestible. C'est souvent le cas avec les classiques américains par rapport à la littérature classique britannique, qui parfois, quand je la lis en anglais, genre Dickens ou ça, parfois j'ai un petit temps avant de me dire, ah oui, alors on active le cerveau anglais littéraire et pas anglais des chansons et des séries. Voilà. Là, non, c'est assez facile à lire. C'est traduit en français, hein, c'est l'éveil. Mais ouais, curieuse de voir. Parce qu'il y a un petit. Le fait que ce soit cinglant comme ça, je me demande si ça va pas avoir une tournure plus sombre. Ben, comme. Un peu comme Madame Bovary, je viens plus. C'est Madame Bovary qui s'écrit avant, je crois. Bref. Couché sur l'arbre à chat, c'est exceptionnel. Fabuleux. Fabuleux. Et donc là, on va partir en catimini, littéralement. Des prototypes qui me sont revenus de Pom Pom magazine anglophone, et je voulais vous en parler, notamment pour un sur lequel j'ai pas mal de trucs à dire, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de voir le processus de prise de tête 6 mois à l'avance, et peut-être que quand le modèle sortira, si vous avez regardé les vlogmas, ça vous tiquera. Le premier, c'est tout simplement la version pull coloron de Darian qu'ils avaient eux-mêmes tricoté. Alors, superbe lumière de 20 heures. J'avais moi tricoté un prototype sans manches lila. Malheureusement, il a été perdu. Donc, Pom Pom m'a gentiment proposé de m'envoyer cette version-ci qu'ils avaient eux-mêmes tricoté en remplacement. Et j'ai accepté parce que quand j'avais vu les photos de cette version, j'avais complètement craqué sur la couleur. C'est un bleu pétrole, vraiment magnifique. Donc Darian, je vous en ai parlé au tout début du Vlogmas, c'est un pull qui était publié dans le numéro d'hiver de l'année dernière de Pom Pom, et maintenant il est disponible en patron individuel sur mes boutiques. Donc c'est un pull qui est col rond ou col V, avec manche sans manche, avec nope sans nope. Et là, en fait, cette version avait été tricotée comme mon autre prototype, feu mon autre prototype, en JC Rennie Super Soft, qui est une de ces marques britanniques qui font des laines dites super soft. C'est du lambswool, en fait. Celle-ci, pour le coup, elle est plutôt douce, comparée aux autres laines qu'ils appellent aussi super soft et qui ne le sont pas forcément.
notamment Rose Gown, etc. Celle-ci, elle est plutôt douce. Et vraiment, ce bleu pétrole est très très beau. Faut que je l'essaye encore parce que c'était une taille plus grande pour les modèles. Les manches vont peut-être être un peu longues, je vais voir. Mais voilà, donc ce prototype-ci m'a été envoyé avec, en même temps, que un autre. Alors, Pom Pom, malheureusement, arrête de publier des magazines. Le numéro qui sortira en janvier, ce sera leur dernier, ce sera le dernier. Sauf qu'ils avaient déjà lancé le processus pour faire d'autres numéros, notamment un d'été pour l'année prochaine. Et moi, j'avais un modèle qui aurait dû être publié dans ce numéro d'été. Donc, c'est annulé. Et ils m'ont renvoyé le prototype que j'avais tricoté à cette occasion, qui est donc ce t-shirt. Ils m'ont renvoyé les deux en même temps. Ça, ça m'évite de payer deux fois la douane. Ça me dérange pas de payer de la douane quand c'est moi qui achète quelque chose, c'est normal. Mais là, pour le coup, je sais pas, faudrait qu'il y ait un système. J'ai rien acheté, c'est un échange, enfin c'est un retour. Enfin, c'est un truc professionnel, je sais pas. Faudrait peut-être un système pour pas payer de la douane. C'est comme envoyer des cadeaux à des gens à l'étranger, c'est... Bref. Évident, enfin, encore que des cadeaux, je peux comprendre le truc indirect de t'as quand même récupéré des produits de l'étranger, mais là c'est à dire que moi je l'ai envoyé à Pom Pom, ils ont payé la douane, ils me le renvoient, je repaye la douane. Bref, les joies de l'administratif, c'est comme j'imagine les teinturiers qui se fournissent à l'étranger et qui après peut-être ont des clients qui sont eux aussi à l'étranger, du coup c'est super. Ce t-shirt sera du coup publié normalement tout seul l'été prochain, si tout va bien, parce que ça va être un délire. Alors, ça qu'est-ce que c'est? C'est donc un gilet t-shirt, c'est un vrai gilet qui s'ouvre. Alors vous allez me dire, c'est n'importe quoi, personne fait ça, c'est nul, quelle idée débile. Oui, bon, écoutez, moi en été, je porte énormément de petits, comme ça, des petits débardeurs à fines bretelles. Et par-dessus, une chemise à manches courtes ouverte. Donc voilà, peut-être que je suis stupide, mais en tout cas, moi, ça m'est utile. Voilà, si vous voulez être un designer plus intelligent, eh ben, soyez designer. Zut. Mais vous inquiétez pas, j'arrive. Deux. Donc, c'est un t-shirt. En fait, le principe, c'était de jouer avec deux épaisseurs de fil. Donc, vous avez le coloris principal qui est de la dentelle. Oui, c'est légèrement ajouré. Et le coloris contrastant qui est de la fingering. La laine que Pom Pom avait choisi d'utiliser pour cette version... La laine que Pom Pom avait choisi d'utiliser, c'est la Retrosaria Coast de Rosa Pomar, et moi je pensais que c'était exactement comme la Osgarn Coast, mais pas du tout. C'est pas tout à fait le même métrage, mais c'est du mérino et coton, et elle est super douce. La Coast, j'aime bien, mais je trouve qu'elle fait un tissu un peu sec quand même, un tricot un peu sec, un peu, voilà, pas super frêle, pas très très doux pour moi personnellement. Celui-ci l'est vraiment, donc c'est plutôt chouette. Et donc là sur le vert c'est tenu en simple et sur les parties contrastantes c'est tenu en double. Mais voilà, on peut utiliser de la dentelle et de la fingering aussi classique. C'est donc un t-shirt, hop, col V, t-shirt gilet, hein. Mais encore une fois, deux secondes, j'arrive. Vous les voyez les 15 versions là? Avec des bandes contrastantes en intarsia avec des petits jetés. Et vous avez des manches un hybride manche tombante, manche montée. En fait, vous avez des rangs raccourcis qui fait que c'est plus long là. Et vous avez moins de matière sous le bras et ça permet vraiment d'avoir une jolie courbe. Je vous mettrai la photo éventuellement des photos portées que j'avais prises avant de l'envoyer à Pom Pom en octobre. Et je suis absolument ravie de tomber. Honnêtement, j'étais pas trop sûre de mon coup au niveau du tricot parce que c'était un peu compliqué.
Et quand je l'ai porté, je me suis dit, ah non, ça vaut le coup. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon idée, à la base, moi, c'était pas, il n'y avait pas de jetée. C'était de faire des bandes pleines, ce qui me permettait, en fait, de faire un intarsia de flemmarde et d'avoir une seule pelote de coloris principal et juste d'avoir en pelote, vous savez, quand vous faites de l'intarsia, vous avez souvent plusieurs pelotes accrochées. Et bien là, je n'avais que les bandes contrastantes en supplément. Voilà, parce que je pouvais faire courir le fil principal derrière sans souci, ça se voyait pas. Sauf que Pompom m'avait demandé si on pouvait éventuellement faire des jetés. Il avait envie, je suis bon, d'accord. Sauf que, ben, obligé du coup de faire de l'intarsia complet. J'ai essayé 15 000 façons, j'ai bidouillé 20 mes trucs, j'ai envoyé plein de photos à Pompom, je dis ça marche pas. En fait, ça tordait complètement, j'ai essayé d'attraper les fils, etc. Le problème, c'est que si je fais courir un fil derrière les jetés, ben, il se voit. Voilà, il n'y a pas le choix. Si j'espace beaucoup les jetés, que j'essaie d'attraper le fil, c'était vraiment pas joli, ça déformait complètement la ligne. Donc, cette version-ci est tricotée en intarsia complet. C'est-à-dire que vous avez une pelote pour chaque bande de coloris principal et pour chaque bande de coloris contrastant. Donc, ça fait beaucoup de pelotes à gérer. Et j'avais décidé, pour un peu alléger ça, de le tricoter cousu. Donc, de toute façon, c'est tricoté à plat. Mais j'avais fait voilà, une couture sur les côtés pour avoir moins de pelotes à gérer, parce que si on tricote les demi devant et le dos séparément, au moins voilà, on a ça fait des plus petites sections et moins de pelotes d'un seul coup. Et donc vous avez aussi ce col chemise, voilà, en côte torse, voilà. Du coup, vu que ce modèle ne sera pas publié dans un magazine et que j'ai la main dessus et que je peux faire absolument n'importe quoi, j'ai prévu de faire deux autres versions. Et ce sera un patron 3 en 1 avec des constructions sans doute assez différentes. J'avais fait un sondage sur Instagram en story en demandant quel genre d'instructions, enfin s'il y avait vraiment plein d'options, 3 versions disons d'un même modèle. Est-ce que les gens préféraient qu'il y ait différents PDF ou un seul PDF, que tout soit, alors clairement mis, hein, voilà, de telle page à telle page, c'est telle version, telle page à telle page, etc. Mais un seul fichier. Les résultats, c'était genre 51-49%. Merci. Super. Mais c'était le petit pourcentage qui a gagné, c'était en faveur de un seul fichier. Je suis assez d'accord. C'est vrai que ça fait un long fichier, mais je préfère... Les gens ont déjà un petit peu de mal parfois à télécharger le bon fichier parce qu'il y a plusieurs langues, etc. Les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, ils galèrent un peu. Et j'ai pas envie de mettre des barrières supplémentaires avec 3 PDF dans 2 langues, donc 6 en tout. Je sais que les gens vont se perdre. Et voilà. Donc j'ai pas envie de frustrer les gens. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, le fait d'être coincé par la technologie parce que voilà, on n'a pas forcément l'habitude et je pense que c'est important de pas exclure les gens. Pour ça, les gens n'ont pas forcément des proches qui peuvent demander de l'aide. Voilà. Bref, c'est un sujet qui m'agace de manière générale. Donc, ce sera un seul fichier qui fera 1000 pages, mais ce sera un seul fichier. La deuxième version que je vais faire, qui sera un peu la version principale qui était mon idée de base, ce sera pareil, un gilet ouvert, dessous, un gilet encore ouvert pour les gens débiles comme moi, d'accord, qui aiment bien ça, avec du coup des bandes juste de jersey. Il n'y aura pas les jetés, ce qui permettra de faire ce que je vous disais, mon idée originelle, de faire passer le fil derrière, et ça fait qu'on n'aura que les petites pelotes avec très très peu de fil en fait pour chaque bande contrastante. J'ai de la lana grossa, un fil dentelle noir et un fil fingering beige pour le faire. Mota râle parce que je lui fais une inhalation et il est pas content. Voilà.
c'est Mota avec un O. Oui, c'est comme la laine, mais c'est pas moi qui ai choisi. C'était le nom qu'il a, c'est le nom qu'il avait au refuge. C'est marrant, hein. Du coup, bah, je vois aucune raison de le changer. Donc voilà, ce sera la version principale. Un gilet t-shirt tricoté à plat, mais avec une version intarsia un peu plus cool. Voilà, que celle-là. Celle-là, si elle vous plaît vraiment avec les jetés, faut aimer l'intarsia. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Mais en fait, l'intarsia, le problème, c'est que c'est une mise en place spéciale. Parce que comme vous avez plein de pelotes accrochées, voilà, il faut pas... faut utiliser des petits papillons en plastique si on veut que ce soit plus facile à gérer. C'est pas forcément un projet hyper transportable, etc. Mais l'exécution, c'est pas compliqué. Voilà, donc, la version à jeter, la version sans jeter avec du jersey, et une version t-shirt normal tricotée en rond. Mais oui. Vous êtes contents? Hein, ça va. Vous m'en voulez pas trop. Du coup, je vais faire un t-shirt, en fait. Donc, le corps sera tricoté de base. Le corps sera tricoté en rond. Et je le ferai en uni, parce que si c'est en rond, l'intarsia, moi c'est non. Hein. Il y a des méthodes pour faire de l'intarsia sur un projet en circulaire, mais en fait, là, comme c'est des toutes petites bandes et qu'il y en a plein, c'est pas gérable. Donc, le t-shirt sera uni avec des jetés. Du coup, ce sera pas des bandes contrastantes, ce sera juste des bandes de jetés. Et je ferai, voilà, je ferai exactement comme ça, mais ce sera un col V et il y aura le col chemise par-dessus sur la version t-shirt aussi. Donc ce sera somme toute des instructions très différentes à chaque fois parce que celui-ci, il est cousu, l'autre ne le sera pas et le troisième sera en rond, donc des instructions complètement différentes. Voilà, donc je suis en train d'essayer de préparer tout ça, de voir quelle laine je vais utiliser et de me demander si je ne vais pas me faire gronder par Ravelry. Si j'essaie d'avoir plusieurs catégories, parce que bah, du coup, il faudrait que je puisse le mettre en gilet et en t-shirt. Voilà. Et généralement, Ravelry, ils sont un peu pénibles. Des fois, quand il y a des trucs qui ne leur plaisent pas, niveau catégorisation d'un patron, en fait, il y a des volontaires qui aident à maintenir la base de données de Ravelry pour que ce soit facile à chercher, etc. Ce qui est très bien et hyper pratique, c'est juste que des fois, ils font des trucs c'est pas bien en fait. Ils se trompent, c'est normal, l'erreur est humaine, sauf que derrière il y a quelqu'un dont c'est le travail qui essaie de vendre un patron et qui se le fait virer. Bref, donc avoir plusieurs catégories parfois c'est un peu embêtant parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'on combine vraiment différents patrons et que le produit lui-même n'est pas un patron unique. Donc je verrai si je risque le fait de bien catégoriser mon patron ou si je le mets juste en catégorie t-shirt et que du coup, quand vous allez vous rendre compte qu'il y en a 2 sur 3 où c'est des gilets qui sont tricotés à plat, vous allez vraiment me détester. Oui, j'essaierai. Tiens, qu'est-ce que j'avais mis pour Pécil? Mais pour le coup, c'est un gilet, c'est vraiment un gilet. Donc je pense que j'avais juste mis gilet, il faut que je vérifie. Je vais essayer de chercher, voir s'il y a d'autres gens qui ont fait un combo gilet-t-shirt et qui éventuellement pourraient me donner des exemples de gens qui ont utilisé la double catégorie. Comme ça, si jamais je me fais gronder, je vais dire, hein, voilà. Parce que ça aussi, ça dépend qui fait la bêtise. Voilà. voilà, petit aparté sur mes prototypes que je viens de récupérer. Normalement, je l'ai mis en juin, mais voilà. Je verrai parce que bah, du coup, il faut que je refasse 2 prototypes, il faut que je réécrive 2 jeux d'instructions. Ça va être beaucoup de boulot et j'ai pas forcément beaucoup d'avance. Donc si mes prochains modèles vont pas spécialement vite à tricoter, je veux dire, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais voilà. J'ai vraiment envie d'avoir toutes les options parce que
Bah moi j'ai envie d'avoir les trois versions en fait. Moi j'ai l'utilisation. Non, c'est pas ça le mot. Fatiguée. J'ai l'usage des trois. Bon, vous avez compris, c'est bon. J'utiliserai les trois versions. Un t-shirt normal, je suis toujours dans un t-shirt. Et comme je vous dis, moi je porte beaucoup ce genre de petit gilet à manches courtes. Et donc, je me dis, je ne dois pas être la seule illuminée. Et au risque de faire des patrons avec trop d'options qui perdent les gens, pour moi, ce ne serait pas pertinent de le diviser en différents jeux d'instructions. Parce qu'encore une fois, les gens s'y perdent. Parce que même si je fais un système de promotion qui fait que vous n'auriez pas à payer plusieurs fois, enfin, c'est pas le même patron du coup, parce que ce sera pas du tout les mêmes instructions et pas les mêmes chiffres ni rien, donc c'est super. Mais moi personnellement, je trouverais pas ça correct de vous facturer deux fois pour la version t-shirt, pour la version cousue, pour la version pas cousue. Voilà. Parce que la base est la même. Voilà, l'envisage réellement comme des variations d'un même modèle, même si c'est vrai que. Le travail de rédaction des instructions, de gradation, etc. sera. Et voilà, il faut que je le fasse pour les trois en fait. C'était quoi mon fil de pensée au départ? Oui, même si je fais une promotion, je fais trois patrons différents, mais que je fais une promotion pour que vous n'ayez qu'à payer un seul, là aussi, je vois venir. Les personnes qui n'arrivent pas à avoir la bonne version, celle qu'ils veulent, qui comprennent pas, voilà, qui comprennent pas la différence entre les versions, etc. Et moi, mon objectif dans ma vie, vous savez, ma priorité numéro 1 dans mon travail, c'est de minimiser le SAV. Pour plusieurs raisons. C'est pas juste pour ma propre tranquillité, c'est que généralement, quand les gens ont besoin que je les aide, bah, ils perdent du temps parce qu'ils attendent à ce que je leur réponde, même si je réponds assez vite. Bah, voilà, faut qu'ils s'amusent à m'écrire, machin, à me poser la question, faut qu'ils attendent que je réponde. Donc j'essaie de minimiser au plus possible ça. Et tout l'aspect technique, achat de patron, téléchargement, tout ça, c'est vraiment un point sur lequel j'essaie de simplifier le truc au maximum. Vous aurez un PDF qui fait 40 pages. C'est tout. C'est comme ça. Encore 40 pages. Oui, non, si, parce que mon patron pour Pom Pom faisait 4 pages. Non, non, ça fera pas 40 pages. Ça ira. Ça, je vais m'en sortir. Mais voilà. J'espère qu'il vous plaira, parce que moi j'aime beaucoup l'idée. Et je me suis dit que ce serait marrant de vous en parler là, comme ça peut-être qu'au fil des mois suivants, vous. Le verrai évoluer en me voyant faire les autres versions. Voilà. Ce week-end, on va fêter l'anniversaire de ma mère dimanche. Donc éventuellement, il faudrait que j'avance bien sur son cadeau pour Noël parce que j'aimerais qu'elle l'essaye pour pouvoir déterminer la longueur de côte du bas. Donc il faut que je finisse le dos. Et les finitions d'encolure et d'emmanchure. C'est pas gagné, d'autant plus que j'ai pas fini ma chaussette. Donc je la finirai demain matin pour pouvoir éventuellement lancer l'appel au test demain dans l'après-midi. Le temps d'avoir pris quelques photos. Mais voilà pour le petit aparté prototype. Je suis. Dû faire une facture aujourd'hui et gérer mes tests. J'avais pas mal de petites coquilles dans le patron d'Ouraka. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai inversé à un moment la direction des augmentations. En fait, c'est tellement bête que c'est évident. Donc, je pense pas que les gens aient fait l'erreur. Je comprends pas parce que c'est écrit 4 fois dans le patron, moi. J'ai écrit 4 fois la même bêtise. Hein. Et puis déterminé. Hein. Ça va pas se perturber. mais voilà, quelques coquilles. Mais
pour l'instant ça va, les gens avancent relativement vite dessus. En ce moment, mes tests se passent bien. C'est ce pourquoi je suis surprise, notamment pour ce châle-ci, donc qui est le châle Télesto avec cette dentelle avec des nopes, où vraiment je pensais que ce serait plus la galère. Mais non, y a quelqu'un qui a fini, les gens avancent pas trop mal, il y a des gens qui galèrent un peu à faire les nopes, mais ça c'est normal, c'est pas inhérent au patron en fait. Ça, c'est, parfois il y a des problèmes de tricot qui dépendent pas... qui dépendent pas du patron, donc du coup pour le test j'essaie d'aider, mais c'est pas tellement... pas grand chose. mais ça se passe bien, je pensais vraiment que les gens galéreraient parce que c'est une grosse grille de dentelle qui se retient pas et tout, et en fait ça a l'air aucun problème. Ça, ok. Voilà, il faut de l'attention. Il y a des gens qui ont un peu bugué sur certains rangs, mais ça s'est débloqué après parce qu'en fait... en fait, il faut faire le rang et puis ça marche. C'est le genre de dentelle où parfois on peut se dire « Attends, pourquoi là ça fait ça ? C'est pas normal. » Et on comprend pas forcément la logique, mais en faisant, ça marche et on voit ce qui se passe. Voilà. Donc mes tests se passent bien en ce moment. Ce qui est cool, je vais pouvoir peut-être passer des fêtes sans trop avoir l'œil dessus. Alors là, si je lance le test de chaussettes, généralement au début du processus de test, j'essaie d'être hyper attentive parce que c'est là où, bah, comme sur le pull ou raca, on voit toutes les coquilles et on voit tout de suite s'il y a une bêtise mathématique quelque part. Et ça, il faut que... évidemment que j'envoie des corrections. Ça arrive rarement, les bêtises. En fait, quand il y a une erreur de maths, en fait, c'est juste que, par exemple, je vais dire, faites, là c'est arrivé par exemple sur Waka, dire faites 4 augmentations, et en fait quand vous regardez le compte maille, c'est pas 4, c'est 5. Donc ça se voit qu'il y a un souci. Et c'est pas qu'il faut que je refasse des calculs, en fait, c'est juste qu'il faut que je remplace 4 par 5. Voilà. Et donc les gens le voient rapidement et c'est pas une erreur de calcul, dans le sens où il ne faut pas que je refasse le patron, en gros. C'est plus des erreurs d'inattention, mais c'est aussi pour ça que je mets les comptes mailles le plus possible, parce que comme ça le doute est vite réglé. Thank you.
du samedi. Oui. Cheveux toujours plus sales et toujours plus beaux, hein, c'est vraiment super pratique. Quoi? Je voulais faire un petit point lecture. J'ai fini L'éveil de Kate Chopin. C'était intéressant d'avoir vraiment, c'est vraiment Madame Bovary en fait, mais au niveau des raisons et du contexte de l'infidélité, c'est plus, on n'est pas tellement sur une psychologie, l'emphase n'est pas sur la psychologie du personnage, mais plus sur un commentaire social, etc., avec des portraits de femmes qui ont des vies différentes, choisies ou non. Voilà, ça allait pas forcément super loin, mais c'était très explicite. Tu peux vivre, le sais-tu. Tu ne vas pas mourir si tu n'es pas sur mes genoux. Je sais, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et j'ai commencé les nouvelles horrifiques sur le thème de Noël. Donc c'est un recueil de nouvelles en anglais. C'est Christmas Horrors. Non, c'est Christmas and Other Horrors. Et ouais, j'ai lu 4-5 nouvelles. Je crois que je suis au milieu de la sixième. J'ai beaucoup aimé les trois premières, surtout la première. La première est vraiment une ambiance de l'angoisse qui est très très bien faite. Il y a un bon mélange entre des nouvelles qui sont juste ici. Il y a deux nouvelles qui étaient vraiment plus juste une atmosphère, etc. Et d'autres qui sont un petit peu plus, ben, là aussi, des thèmes sociaux intéressants. Il y en a deux que j'ai un peu moins aimé parce que je trouve que le retournement de situation, l'évolution, était un peu trop complexe pour le format nouvelle. Et du coup, on a un peu l'impression que les choses sortent de nulle part et j'ai pas trop compris le développement thématique derrière. Mais pour l'instant c'est chouette. Ce sont surtout des nouvelles qui vont être sur le thème de Noël. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part une inspiration sur le folklore, sur les légendes, les créatures des folklores principalement européens pour l'instant. Il y a notamment la première du coup qui s'inspire d'une petite légende locale de Salzbourg en Autriche sur le fait qu'il faille bien à l'épiphanie bien avoir sa maison en ordre, voilà, bien avoir nettoyé, rangé, etc. pour commencer la nouvelle année en étant carré. Et il y a aussi, à part le folklore et toutes les créatures, moi j'aime beaucoup l'utilisation des mythes et des légendes des différents peuples. L'autre penchant, c'est vraiment sur les thèmes propres à Noël. Et notamment, il y a deux thématiques assez fortes dans la première et dans la troisième nouvelle sur la maison. Le fait d'avoir une maison, d'avoir un foyer, mais surtout il y a des questions sur l'accès à la propriété, sur les différences de statut et de confort financier lié à la propriété. Notamment un petite pique acerbe envers les promoteurs immobiliers qui achètent tous les logements viables pour en faire des Airbnb. Ce qui est assez chouette, c'est qu'à la fin de chaque nouvelle, on a un petit paragraphe de l'auteur qui explique un peu son inspiration derrière. Voilà, bon, pour l'instant, j'aime bien, l'ambiance est super pour les fêtes. Et là, je vais tricoter, essayer d'avancer au maximum sur le pull sans manche. J'ai presque fini le dos, donc je vais pouvoir rejoindre les épaules. Je vais faire l'encolure. Comme ça, même si j'ai pas fini les finitions d'emmanchure, au moins avec l'encolure, ça se sera relevé suffisamment pour que ma mère puisse l'essayer demain. Cet après-midi, on retourne au refuge.
pour te rendre, parce que je t'aime pas du tout, tu m'énerves. Non, mais pour finaliser l'adoption. Donc c'est une heure de route, donc une heure aller et une heure retour. Donc j'aurai un petit peu de temps de tricot si je ne suis pas malade. Et voilà. Demain, je sais pas trop à quelle heure je publierai ce vlogmas. Vu que on va fêter l'anniversaire de ma mère, donc je risque de le publier un peu tard. J'essaierai de commencer le montage le matin. Et si je vous reprends pas d'ici là, je vous souhaite. Du coup, je pense qu'on se reverra le 24. Je publierai un vlogmas le 24 et le 31. Donc si c'est la fin de ce vlogmas numéro 3, je vous souhaite de bonnes fêtes. Une bonne fin de fin d'année, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous passez cette fin d'année. Que au moins le passage à la nouvelle année se passe bien pour vous. Et je vous dis